Attends juste qu'ils se... Voilà. Les losers, ils sont là. Bah ils sont lents parce que je n'étais pas là. Tiens. Toc. Salut, on est de retour pour un petit Maillet Charlon des familles. Lors de cette date du Gunhunter Clash où Maillet avait gagné 3-2 après une remontée sur un 2-0 de Charlon qui avait dominé le début du set. Sauf que là, on est en best of 3. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Oui. Donc, Maillet Charlon? Oui, ouais. BO3, c'est après le 2-0. Donc si ça se passe comme Gunhunter Clash, techniquement, Charlon gagne. Donc, on va voir ce que ça donne. Là, Charlon qui commence à acquérir une bonne avance avec son Fox bien vénère. Voilà, on est de garde, Maillet qui revient bien. Oh, le reverse light backer pour le renvoyer off stage. Ouh, le petit wall jump shine là, de la fraîcheur. Sans utiliser le double saut. Très propre, le grab. Alox impaid. Yes, et le match est relancé immédiatement. Solide. C'est quoi? Oh, Deroleman, c'est un match ça? C'est sérieux? Ah ouais, merde. Autant pour moi. Mais ça me paraît tellement improbable. Le grab sur le shine propre. Maillet qui a l'avantage dans cette seconde stock. Qui continue son combo. Ah, je sentais une volonté de tipper là. Il a peut-être un peu trop attendu. Ah, la dague qui ne passe pas. Joli roll de away de Charlon. Qui s'éloigne bien. On revient dans le neutral. Là c'est chaud, Charlon qui est un peu hésitant sur ses wave dash, on entend pas mal de petits cris de Fox depuis tout à l'heure. Et un grand cri de Fox qui perd sa stock. Voilà, Maillet qui commence à prendre une petite avance sur la stock de Charlon, qui commence à investir au pourcent, qui met quelques petits combos bien frais. Et le Shine Spike. Ce match-up est vraiment trop bien. Le match est relancé. Petit avantage au pourcent. Décrit pour Paris, oh très joli pivot grab dans le chain grab, on regrabe encore, oh très joli shield drop d'Air Shine, malheureusement pas de follow up, Maillet qui arrive plus ou moins à contenir Charlon, à le poursuivre, mais qui ne capitalise pas vraiment, ah Lana qui ne passe pas au millimètre, ah la petite tentative de mind game sur la punition de Charlon, sur l'approche de Charlon pardon, sur le bord. Le shine, le grab qui passe, le père qui whiff. Et la baffe de Mars qui envoie Fox Valdinguer. Mais encore une fois, rien n'est joué. Ah, très joli nerf sur le dash avant de Maillet qu'il a bien capté. La petite JD et le backer safe pour s'assurer de prendre la stock. Et le suicide de Charlon, très propre. Donc premier match pour Maillet dans ce best of 3. Et le salé courir retour, c'est parti. Petit exchange. Maillet qui est vraiment très propre dans cet exchange regrab. Jolie poursuite de Charlon, malheureusement le demi-upper. Ouh, c'était joli ce taffa tipper grand saut. Putain, Maillet qui met une pression énorme à Charlon, qui possède bien le centre du stage. Oh là là, magnifique man game d'esquive. Le gros smash avant dans ta face et on prend la première stock. Et cette face tout à fait étrange de Charlon qui marche. Oh là là, et l'arrogance de Charlon lui coûte de prendre ses stocks de Maillet. Ça arrive une fois tous les 1000 ans à peu près. Ah, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Maillet avec son petit sourire là. Merde! Et qui sourit encore plus quand je dis ça. Incorrigible. Donc il y a un bon avantage, mais peut-être qu'il n'aurait pas dû sacrifier cette stock. Charlon qui tente le gimp. Oh là là, mais quel. Oh là là! Mais qu'est-ce. Ah là là, et Maillet qui reprend encore cette stock, mais c'est n'importe quoi ce match. Maillet qui a l'air bien engagé pour prendre le set. On a un 2-0 assez propre.
Et encore un demi-suicide de Charlon. Et un set éclair. Pouf, pif, paf. Et je crois que je vais jouer contre Fosters, il me semble. Oui, c'est ça. Ok. Donc c'est parti. A toutes. Alors,